Tentative régime tête caléa pour gagner un nouveau gouvernement. Et question junior là, si nous si tel, c'est parce que le gouvernement tout l'a tenté avec tout allié lio pour faire tout pour nous croire que l'a vini avec jeunesse qui donc une tentative de manipulation politique avec femme et côté que l'a essayé toy toy monde qui gagne cervelle ou what pour faire passer et un remède en mec ou fiel y a bail pays à préparer et en réalité ce qui s'allier c'est une manœuvre politique pour les Jovenel Moïse river dans Nations Unies pour le faire connaître que le bon gouvernement parce que si n'a tant des partisans pouvoir surtout dans la chambre non qui a bien fait quoi bon ouais pas peine d'aller trop loin dans affaire de débat et une résolution qui présentait qui dit bon nous édifier doit bien entrer dans notre bail d'ailleurs premier ministre non mais lui-même il était abrégé et présentation non et pour le dire que bon lui-même c'est lui dont son résumé il présenté alors que constitution exige son déclaration politique générale complète pour présenter devant parlement lui-même lui dit son résumé lui fait de déclaration politique générale. Est-ce que ça veut dire nous d'accord les que vous pouvez ministre ça fait toute nuit la ville li un projet politique nous connaît pas gens qui pas cadré à la réalité. Non, et pas ça. Nous pas sortir non extrême pour tomber non l'autre non plus. Hein? L'ente songe présentation médecin combien de temps te prend qui pas réaliste du tout pas gagner pour ouais ni budget ni vision d'ailleurs. Premier ministre et projet politique président vient exécuter mais en même temps on va pas d'accord tout pour premier ministre lui-même li dou c'est un résumé le fait il vient présenter devant parlement alors que li supposé vini by voix et moyens devant parlement dans ça qui concernait politique générale li pral mettre en application donc depuis dans ça nous ouais dans qui c'est une comédie et ça qui t'a joué ça bon très mauvaise pièce de théâtre. Parce que l'on a parlé de comédia dell'arte, nous avons un niveau très élevé. Le théâtre là, qui c'est un genre, et qui traduit les mêmes connaissances, savoir et capacité de sublimer les choses. Et nous pas dans ça du tout. Hein? Et donc, nous avons dit que j'ai bailloté. Un petit moment après, deux, trois mouns finissent, deux, trois bailles, bon, bop. Et il y a une résolution qui dit bon, nous satisfaits, nous avons besoin d'aller plus loin. Nous là, on campe pour nous voter. Et puis 76 pour, 0 contre et 3 abstentions. Nous connaissons tout, groupe et député de l'opposition, tu es sorti dans ces instants depuis avant et ces instants tu es commencé. Bon, pas que trois bagailles sont capables de dire sur ce qui passé. Ce soir, qu'a dit, Haïti a plongé à 150 000 à l'heure. Donc chaque jour, plus nous de degrés, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, et nous ne connaissons pas qui côté n'a privé. Bon, dans le débat ça qui te gagné, soi-disant débat, dans la Chambre députée, pour ratifier ça, il y aurait les déclarations politiques générales pour les ministres. Non, c'est une séance casuelle qui fait encore hier soir. Et côté un gouvernement essentiellement junior, parce que c'est le gouvernement qui insistait sur ça, sous question de jeunesse, sous question de forme et sous question de majorité silencieuse. Et pas nous-mêmes. Parce que nous pas quoi dans la question argument large, non. Dans l'agissement, dans la question avant, vous dites son jeune garçon. Alors, si pas jeune garçon, il doit vivre. Donc, nous-mêmes, nous n'avons pas d'argument ça. Nous croyons que les gens ont toute qualité, catégorie d'âge dans la population. Une catégorie moun qui est de tel âge à tel âge, selon Jean-Louis définit qui c'est jeunesse. Mais jeunesse dans tout, ce n'est pas seulement dans le sens ça, au mesurel. Parce que les gens doivent biologiquement paraître jeune, mais ils sont son petit grand monde intatat lié dans gens la fonctionner dans vision et on doit avoir un monde qui paraît très mûr mais lui même pour vision que le gagne pour gens le pays et pour ça le capable faire et bien c'est pas les plus jeunes mille fois par son monde qui dit que les jeunes donc c'est débat ça c'est des débats perte de temps nous mêmes nous pas perdre du temps nous là dedans mais constat li là parce que monde proposé comme ministre en pile là dedans personne monde pas connaît. Alors, ou pas qu'à dire pour mon arrivée pour le ministre d'un pays, pour ne pas connaître comme un citoyen qui était engagé, comme un syndicaliste, qui t'a défendre, et par exemple, soit prend dans le domaine santé, dans le domaine éducation, ou pas connaître, ou pas connaître mon nom du tout dans quel domaine. Et puis, il paraît sous, il dit le ministre. Donc, chambre députée a ratifié déclaration politique générale, ça soit 10 ans,
ak yon premier ministre nous connaît qui sorti dans chapeau et président le Fritz Michel et William Michel 76 députés bon c'est ça et t'attend de voter pas grand quelqu'un qui a eu courage pour voter contre même là tu as deux ou trois interventions qui étaient faites et puis trois abstentions dans une séance très spéciale qui déroulait Jacques Connaît séance a été démarré en bas en pile pression entre députés majoritaires qui supporté avec DG et gouvernement et puis avec minorité dans opposition qui était tenté empêcher séance après présentation rapport commission et qui était très difficile d'ailleurs dans façon de te présenter tu as analysé dossier et premier ministre à cabinet ministériel li député opposition yo en étant Woody Deville député OPL Côte de Fer là ak Aodon bien-aimé te quitté salle là et en étant de ça yo parce que yo estimé député majorité plus envie bataille au lieu pour te faire débat sans perdre du temps président chambre député a invité premier ministre nommé pour te monter tribune pour te venir faire présentation politique générale li. Et monsieur Michel remercier député yo et puis et président bien sûr qui place confiance dans lui et promet un gouvernement pour régler toute une série de problèmes pendant pays a gain il parlait de engagement il prend devant assemblée députés concernant question tweet yo et puis avec question énergie donc c'est deux et dossiers ça yo député Kinskoflan Alfredo Antoine Junior te mette devant et qui te conditionné vote d'après ça le fait connait comme tout le monde t'attend ni il pas t'a jamais dit le contraire bien entendu et il dit pas connait rien ni de près ni de loin pour ouais à question tweet ça yo alors que son compte qui était là pendant presque 10 ans et c'est là on nomme premier ministre contenu compte ça yo effacé et non yo mettez sous compte là son nom qui t'a gagné pour ouais ak yon nom qui familier nan famille premier ministre nommé bref donc n'a tande intervention Fritz William Michel te fait nan micro journaliste qui était là parmi collaborateur non Vilner Joseph c'est honneur déjà me dit avec toute l'équipe gouvernement pour faire tout ça possible pour pas faire la chose moins pour jeunesse là qui côté du président de la République là qui est fait mon œuvre pour capable diriger le gouvernement pour faire tout ça connaît pour aider le pays à faire face à tout problème socio-économique là pour répondre aux grandes préoccupations ça c'est important pour nous que sur question contributeur vous avez fait sortir une norme pour la presse en date 26 juillet 2019 qui était clairement indiqué que contre ça il n'y a pas de contre et vous pensez que des spécialistes dans le domaine qui ont fait des précisions sur ça m'a profité pour vous dire que ce monde qui est un pile respect pour la presse, pour le travail que la presse a fait en général et en particulier, madame Hilaire Pierre-Bon, M. Jean-Monard Médélus, c'est deux icônes que vous respectez en plus. Vous profitez de tout ça pour moi dire que vous ne pouvez jamais gagner un plus de ça. Concernant la question sur contrat d'énergie, instruction formelle a passé à ministre Finance. Ministre de la République, pour yon tout contrat, pour yon statut, tout contrat d'énergie. Ça. Sous même lancer que ANRC, qui sont institutions qui l'a, pour porter réforme dans le secteur énergie, à travers le décret 3 février 2016, on a continué sous lancer ça, pour réforme qui pour gagner dans le secteur énergie, à travers et appel d'offres qui commençait. Accompagner, annoncer pour que nous améliorer le secteur énergie dans le pays. Tout ce que je remercie nous, je remercie la population et je prends engagement de vous respecter toute responsabilité que vous avez en tant que politique. Voilà, c'est Fritz William Michel qui joigne un vote massif dans la Chambre députée et en principe, il y a rendez-vous. Non, Sénat, président Chambre député a bien entendu Gary Baudot qui mandait sénateur d'ailleurs pour aller dans le même sens avec lui, féliciter tête lui pour façon de dire qu'il était mené séance ratification politique, déclaration politique générale là.
malgré toute pression d'après ça dit intimidation qui t'a fait contre lui. Député Delma a mandé président Sénat Calmio Akantave prend responsabilité pour organiser séance par là Jean Dia ou bien approuver ou bien rejeter gouvernement. Garibodo voye jeté accusation député groupe minoritaire là qui fait connaître que monsieur dit pas de gain laisser passer pour être capable organiser séance et puis en plus de ça tout il a rappelé député ça a fait une démarche devant la cour de cassation gouvernement reconnaître puisque il voye représentant l'état haïtien qui c'est directeur des GIA pour demander la cour de cassation pour kembe situation en état pour permettre de ratifier et pour l'un Jovenel Moïse là non la chambre alors que normalement le suspensif le fait que et même non un pouvoir une trois pouvoir et fait démarche ça beaucoup de la cour de cassation parce que monsieur Fritz William Michel pas gagné décharge pour série de fonctions il était occupé dans l'état mais toute bagaille ça yo nous connaît Garibodo balayé de revers de main attendez dans micro Vinel Joseph. Le président de la Chambre des députés, son jeune garçon qui toujours du bon côté de l'histoire et faut nous toujours prendre des dispositions, les nous gagner des responsabilités, nos postes pour nous délivrer. Je dis à me délivrer séance là. Pas besoin qu'on ait si premier ministre t'a passé ou bien va t'a passer, ça va problème pas. Problème pas moi, nous sommes président de séance accompagné du bureau qui avait été voté à l'unanimité en ce qui me concerne au niveau de l'Assemblée pour nous délivrer séance ça par rapport aux préoccupations de l'heure. Mais maintenant le vote c'est pour l'histoire. Nous te prenons toutes dispositions, je nous dis nous toujours du bon côté de l'histoire. Maintenant il revient aux honorables députés, aux honorables sénateurs de jouer rôle contrôle. Donc gouvernement voté dans la chambre des députés, hein, déclaration politique générale là voté. Maintenant il revient aux sénateurs de la République de faire leur devoir. Bon, nous sommes dans une assemblée démocratique. Les députés de la minorité ont écrit plusieurs correspondances que le bureau a été répondu aux correspondances. Il y a trois instances de décision au niveau de la Chambre des députés. C'est le bureau, la conférence des présidents et l'Assemblée. Donc, minorité a, bureau a été trouvé l'incompétent pour le faire droit à demander. Il y a une conférence des présidents qui a été faite hier, conférence des présidents tranchée. Il y a ton dernier recours à députés minoritaires pour venir défendre une position. Maintenant, nous sommes dans une assemblée parlementaire, donc tactique pour être dans la séance ou bien pour quitter. Donc, ça n'a pas gagné pour le voir avec l'opinion du président de la Chambre des députés ou pas. Ce sont des hommes et des femmes politiques, donc ils opposent un acte. Donc, eux aussi, ils ont en quelque sorte à juger que ce soit par la population, par l'opinion publique. Mais nous-mêmes, il faut nous dire ça au niveau de la Chambre des députés. Nous avons une responsabilité pour nous faire séance, nous faire séance. Nous avons une responsabilité, intimidation, quel que soit sa lien, nous avons responsabilité pour faire séance. Et c'est ça maintenant des présidents Cantave qui ses amis, nous prononçons est correct. La faire séance, le sénateur doit jeter le gouvernement, il a jeté le sénateur, il voulait voter le gouvernement, il a voté. Donc c'est ça la démocratie. Donc nous-mêmes, je dis à nous pensons que la démocratie a triomphé. Comme vous, un gros coup de chapeau tout pour débuter de l'opposition, qui matin a fait acte de vandalisme que tout le monde a condamné, et que tout le monde a condamné, que le président de la Chambre des députés a condamné. Mais après-midi, il a ressaisi, ça a montré encore que c'est des hommes et des femmes qui ont supporté la démocratie. L'avenir, le pays, les jeunes et populations qui ont gardé l'ambassade, c'est une bonne raison. Je ne dis pas qu'il y a un quorum dans la conférence des présidents. Conférence des présidents, pour qu'il y ait un quorum sur 20 présidents qui ont gagné 12, il y a 17 présidents qui sont présents et pour servir la latte là. Donc nous-mêmes, nous pas fait, et puis c'est pour une conférence des présidents en cachette. C'est une conférence des présidents qui était convoquée 48 heures à l'avance, conformément au règlement intérieur, et qui a été réalisée au niveau de la Chambre des députés. La conférence des présidents était faite à midi, donc non souci d'équilibre, nous étions là jusqu'à 2h30. Donc après, la conférence des présidents faite, et puis la conférence des présidents tranchée. Je ne sais pas même qu'on est dans la question de la tranchée. Vous avez accusé la présence des députés Benoît Laguerre comme monde qui n'est pas président. Le règlement intérieur de la Chambre des députés a dit, à défaut de président de commission, vice-président siégé. Donc Benoît Laguerre, c'est vice-président de la commission affaires étrangères que l'honorable député Alfredo a dirigé. Député Alfredo Patnan, celle-là. Donc collègue Benoît Laguerre est siégé. Voilà, président Chambre, député a qui estimé mission accomplie. Effectivement, mission accomplie. Mais je ne sais pas si c'est tout le monde qui condamné ça que tu as fait hier dans la Chambre. Non. Oui,
n'est pas toujours agréable, n'est pas même facile pour moun défendre de réaction qui paraît dans tout le monde, de réaction qui marche avec violence. Tout comme les moun a boule caoutchouc dans la rue, nous connaît caoutchouc a pas bon pour santé nous, la fait nous perdre l'argent dans l'asphalte là, tout comme question fatra, nous pas d'accord pour les moun a manifesté pour abstimer fatra. Mais en même temps, faut que nous ces réactions yo y tout par rapport à une autre forme violence symbolique que l'État lui-même l'a fait chaque jour sur citoyen. Dans ça qui concerne groupe députés dans opposition nous-mêmes ici là dans micro nous connaissons, nous appuyons dans série de démarches yo fait, nous critiquons tout par rapport à série de l'autre, nous exprimer tout et interrogation les que situation pas claire pour nous tant que par exemple séance qui était faite finalement qui t'a pral et normaliser situation dans chambre députée nous même dans micro ça nous avons courage pour nous dire pas comprendre très bien ça qui passé là parce que était Dieu t'a kebé situation jusqu'à minuit en après nous aussi un bout de papier mener des marches pour affaire mettre Jovenel Moïse en accusation les que arithmétiquement parlant yo était perdant et conjoncture en tout pas de favorable pour ça parce que yo t'a pas surfé sous yon première victoire yo était remporté sans attendre les arrivé voyer docteur Lafontaine aller c'est pas même conjoncture politique bref on façon pour nous dire que nous-mêmes nous quoi nous légitimer ici tlan parce que nous pas jamais appuyer aucun monde avec DG nous toujours gain nuance dans ça n'a faire maintenant ça qui concerne les députés on songe yo remettre bureau ça président chambre député a diriger Garibodo document sous question accusation mise en accusation qui sont démarches constitutionnelles combien mois Garibodo kembe dossier ça il pas jamais mettel en application pas jamais travail sous lui jouk l'elvinou li bon pour lui et d'assal mettel dehors ça sont violences liées violences institutionnelles et contre droit le groupe député minoritaire gain et même député ça yo m'avait te dit ça hier et pas même gain un argument juridique que bureau chambre député a tenté baio mais l'on pral garder l'on a comparé travail yo fait avec l'autre groupe député très courageux qui te gagné la donne Vikens Derilus qui te gagné député Sadra Dieudonné bon certainement m'a fait injustice parce que c'est de mémoire m'a cité groupe député Saint-Sauveur qui était venu avec vous vous êtes là pour te empêcher une séance concernant Laurent Lamotte était très courageux mais l'on pral garder groupe député ça yo yo apprendre de premier groupe député 49e yo qui était minoritaire et yo vini yo même yo gen des arguments que n'a jeune dans archive parce que yo marqué passage en série et de et démarche yo fait institutionnel bon côté institution tant que quoi il a porté dossier ça dans la cour et de cassation ça ti moun a jeune ni ti moun k'ap étudier demain pour ouais te gon groupe député que te fait démarche ça pour te dire que premier ministre il pas gen des charges il pas habilité pour capable vienne premier ministre mais qui ça qui fait qui réponse qui réponse qui baille majorité à baille son réponse violente eh bien yo fait ouais yo fait séance là parce que pas vienne dit seulement le yo souqué de trois bagailles dans la chambre non gens que yo te fait là il a fait violence sans que on pas mettre en face l'autre violence yo en face li a parce que violence ça c'est même type de violence ça population a fait face le li relé pas gen moun qui répond ni le que débauche a fait ak moyen l'état pendant que petit li a mouri dans l'hôpital li pa ka acheter un pic un sérum li pa ka voye petit li l'école c'est ça violence systématique là violence système nan c'est lui même qui engendrer et en pile fois de réponse moun yo bay et puis tout pour n'a vinn dire oui moun n'a fait violence mais yo pa wè l'autre violence k'a fait sous li chaque jour violence étatique là et ben c'est ça bureau chambre député a fait contre minorité yo. Député minorité avec sénateur minorité vous devez pour nous faire point ça député Alfredo Antoine Junior nous connaît dit gain réputation de député et nous même nous te bal crédit pour ça mais nous pas regrette que nous te bal crédit bien que on après nous elle sombré mais nous te bal crédit pour ça nous te well il te gain comportement intelligent dans politique qu'il t'a fait d'ailleurs c'est droit il gain droit pour avec pouvoir mais nous remet pour nous monde qui même le ou pas pu en cause ben ou très vigilant ou pas quitter au menon mais dernièrement c'est pas ça nous donc il continuer dénoncer contrat l'état haïtien signé avec trois compagnies Sogener, Ipower avec Etrac il dit pour ça sorti dans bloc majoritaire là
Et en plus de ça, il était voulu pour te distinguer dans la séance hier soir, l'Elte Baye, premier ministre, non? Nous capable dit de longer Bali une possibilité et pour te venir acheter tête li et sous question Twitter qui difficilement défendable. Si premier ministre a parlé de monde qui connaît, c'est pas seulement dans pouvoir des monde qui connaît dans question système ça hein. Grand monde qui connaît tout, il y a l'autre monde qui connaît et c'est pas vrai ou pas capable te gagner un compte pendant 10 ans et puis pour te sous non sans qu'on pas connaît et puis je nomme premier ministre aller effacer contenu. Alors li bay monsieur te ton ni perche pour monsieur te vinn défendre tête ni. Donc député a te dit c'est condition ça pour capable bay voter. Bon, il fait abstention député Kinskoff là parce que dans premier temps pas de comprendre mais il dit que bon Alfredo Junior Antoine demandé faut premier ministre répondre sur deux questions ça pour capable connaître côté vote. Et qui j'en fait vote l'en fait et puis en après premier ministre pour répondre mais en après le, heureusement et j'ai un collaborateur moi Vilner Joseph qui fait me remarquer parce que ou connaît Jean vote a fait là en pile fois mon est trompé parce que pas très bien au moins à qui méthode yo faire contagio et ça fait gagner les qu'on remette yo en cause. C'est pour ça dans l'autre pays côté que yo prend question parlementaire très au sérieux, il y a l'autre méthode de comptage qui fait. D'ailleurs les mon dans voter a un système électronique qui pas vendre 10 millions de dollars qui permettent que vous êtes capable de comptabiliser rapidement et ouais, qui est-ce qui vote. D'ailleurs, qui Jean, si vous avez besoin de tout, qui Jean, tout un député a voté, tout un sénateur Benoît a dit ça, dans le Parlement américain, on pourrait être sous qui Jean a voté, qui a un profil. Eh bien, Jean de vote ça, Jean a fait en bas, artisanal ça, dans plein 21e siècle, extrêmement difficile. Les gens ont tant de voter, ils ne voient pas qu'ils ont levé, mais ils n'ont pas de temps. Par une discipline, un bon problème qui posait dans la question, j'en vote ça exprimé. Mais Alfredo Antoine Junior, il n'a pas voté contre nous, mais il fait un vote, et vous connaissez un vote ça, il dit non. Et là, il fait abstention, donc il fait abstention. Naptandel, Namiko Vilner Joseph, qui en croisade contre trois compagnies, ça y est, qui vendent l'État énergie. Pour gagner votre peuple escope là, Alfredo Antoine. Il y a deux questions qu'il faut qu'on réponde, et c'est sous base ça que nous allons écouter comme député indépendant au niveau de la Chambre des députés. Monsieur le Premier ministre, sous quoi Twitter, je vais vous confirmer, parce que par exemple, il y a un autre officiel du bureau comme Premier ministre nommé qui démentit l'information. Est-ce que vous avez fait une attaque sur le journaliste et parmi eux, journalistes qui baillent bio, qui sacrifient toute jeunesse pour payer ça, ou même pour capable de faire premier ministre comme jeune garçon. Est-ce que vous avez fait une telle déclaration, une tweet de ce genre sur de différentes personnalités de la premier ministre, vous passé 2 ans et demi ou bien 3 ans comme porte-parole bloc majoritaire et membre défendre politique gouvernementale et décision. Mais démissionner pour un dossier bien déterminé. C'est la politique, dossier énergie qui gagne la bonne dans le pays. Il y a trois compagnies qui détenteurs de contrat qui fait en dehors de la loi près de 10 à 12 millions de dollars chaque mois pour être touché. Est-ce que vous même, et m'a dit pour nation et pour collègues assemblés, que moi-même, je vais mener enquête sur le dossier ça, il y a une compagnie ça, qui a une dette de 154 millions de dollars. Et là, pour BFPAC, et comme ça, c'est Fonds Pétro-Caribé. Fonds Pétro-Caribé. 154 millions, et c'est la SOGEDER. Quand on dit nous que pas faire personne, le Premier ministre nommé, pour gagner les dossiers de politique générale. Tout point que vous avez marqué là-dedans. Collègue Alfredo, agriculture. Et président Gabriel, collègue Alfredo, citez nous trois combats. Il y a des problèmes dans le pays. Ni citer une, ni pas citer l'autre. Donc, l'Assemblée a d'abord aimé qu'on est. Je suis maître de ma parole. Pas d'attaquer personne au détriment des personnes. Écoute, président, vous n'êtes pas là pour défendre ces compagnies. Ok? Si vous êtes défenseur compagnie, prenez responsabilité aux défendations. Je parlais de Sogéder. Que mon ancien madame président, fait madame président Préval, à diriger. Si vous voulez défendre, défendre. Et m'a parlé de extract, mes documents. Et m'a parlé de e-power. Comme des documents. Chaque mois, vous avez 12 millions de dollars. Et qui est-ce qui a ciblé? C'est député qui a volé l'argent.
ces députés qui ont détourné les fonds, c'est au profit de ces trois compagnies. Et Haïti, pas jamais gagné sécurité. Pays n'a pas jamais gagné sécurité. Tout autant que compagnie, ça a toujours des turbulences. Il y a monté nous, mais pas jamais de question raciste avec nous. Ok? Donc, question pour le 24 sur 24, président, gagné un accord qui déposait dans le Parlement. Donc, nous-mêmes, comme président, chambre des députés et président Sénat, nous avons responsabilité pour convoquer l'Assemblée. Et l'Assemblée nationale, nous allons faire pour que bien au courant. Et prêt pour nous fusionner dans la rue pour lancer ça. Ma vote est gouvernement si on garantit que tout le monde a dénoncé, quel que soit le monde qui était ministre finance, qui était ministre travaux publics, qui était directeur IDH, tout est doué à la pénitentiaire nationale. Voilà, c'est le député Kinskoff là, Alfredo Antoine Junior, le président de la Chambre des députés, a dit qu'il va mettre en commission spéciale pour un dossier semblait pas trop connaître. Mais ancien président Sénat, sénateur Latibonite Lan-Yuri Latortue, qualifié de chantage. Déclaration de député Kinskoff là, Alfredo Junior Antoine, concernant trois compagnies qui a vendu l'État et énergie. Selon sénateur Latibonite Lan, depuis l'année 2017, sénateur prend une résolution qui te baille Jovenel Moïse pour voir pour te renégocier contrat ça. Yo. Sénateur Latortue fait connaître toute compagnie yo te accepté pour te renégocier contrat yo avec l'État haïtien. Mais c'est président qui pas jamais fait ça. D'après parlementaire, renégociation contrat ça yo t'a permettre l'État rentrer 150 millions de dollars. Les a besoin et il pas t'a besoin aller juste Taïwan en Asie pour aller demander prêter 150 millions de dollars pour réseau EDH. Président commission éthique anti-corruption déclaré gain moun nan pouvoir kap mette sous pied propre compagnie pa yo pour capable vendre l'État courant nan place trois compagnies sa yo. N'a tande sénateur Yuri Latortue nan micro Vilner Joseph. Député a livré devant comme porte-parole président Jovenel mettez-le devant et a parlé d'une question qui était censée résoudre depuis le 11 octobre 2017. Sous question électricité à sa tarifée, président Jovenel a toujours dit qu'il était besoin de renégocier le contrat électricité sa yo, à savoir e-power, Sogener et Altra. Et nous-mêmes, nous avons gardé question, nous voyons que le contrat sa yo, justement, c'est des contrats surfacturés dans le sens que l'État paye trop pour eux. Et ça nous a fait, il y a plusieurs réunions qui étaient faites au niveau du Sénat de la République. Et nous entendons au niveau du Sénat, après réunion que le groupe majoritaire a été fait avec le président Jovenel, que le Sénat vote une résolution qui titulée sur la renégociation des contrats de production d'énergie électrique avec les producteurs privés d'électricité. Sénat entend sous résolution ça pour yoté ka renégocier contrat. Et président Jovenel qui après rencontre l'a d'accord et producteurs d'électricité yoté d'accord pour yo renégocier contrat yo. Simplement, président Jovenel te dit qu'il a besoin d'un instrument juridique nan mel pour que les mêmes l'ité ka agi parce que contrat yo yoté signé et ont gagné en délai jusqu'à 2022. C'est comme ça, le 11 octobre 2017, le Sénat a pris une résolution, ça, qui a gagné trois articles là-dedans. Article 1, le Sénat de la République demande à l'exécutif, dans l'intérêt du sous-secteur de l'électricité et de celui de la nation, de renégocier les contrats qui lient l'État haïtien aux entreprises privées de production d'énergie. Ça, c'est le premier article. Mais depuis le SAA, le président Jovenel n'a rien fait. Il n'a pas jamais renégocié. Ce qui fait qu'il n'a pas de corps pour construire ce national-là. Et il est obligé à aller prêter 150 millions de dollars dans Metagon. Alors que s'il était renégocié ça, pendant les deux ans, le président a rentré 150 millions de dollars à raison de 75 millions par année. Ça, c'est le premier bagage pour les Haïtiens qu'on est. Parce que je dis, moi pense que le gen moun qui pas baye vérité, qui a fait démagogie, faut que nous baye vérité à et vérité à l'échita dans la résolution ça, qui te voté et que nous te remettons président Jovenel, que nous te parlé à groupe investisseur, que vous même son seul baye vous tapten que vous relayez dans la réunion. Et pour vous relayez pour que, eh bien, prix ça, vous te renégociez. La deuxième chose, c'est que non seulement monsieur yo choisi pour yo pas renégocier contrat yo le président Jovenel mais il a paré pour remplacer compagnie sa yo qui gen contrat
En fin de compte, l'intérêt c'est que monsieur pas sur renégocier encore pour nous gagner réseau national là. Yo préfère al prêter comme dans Taiwan parce qu'il a préparé compagnie qui pour venir remplacer ça yo pour yo même yo ka faire bénéfice. Et puis je dis à député Alfredo a pris dossier a parlé de lui alors que lui était dans majorité a li réuni à président Jovenel, yo pas jamais dit président mettez en application résolution qui était prise dans le Sénat le 11 octobre 2017. Voilà.